Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà. Programme. Ce matin, j'aime les Joss faire ses... mon fils faire ses trucs. Et puis voilà. Cet après-midi, on va faire du Satis jusqu'à à peu près, je pense, si tout se passe bien, vers 17h30. Là, je ferai l'interruption. Et après manger, je ferai manger les enfants pour qu'ils se couchent tôt ce soir. Après manger, on fera du RPGTA. Voilà, donc comme ça dit dans le titre, générateur HS, on refait. Et ouais, hier, ça m'est enfin arrivé, chose que j'attendais un peu plus tôt que ça. C'est de ne plus avoir de jus. Ben voilà, c'est fait. Je n'ai plus de jus. Oui, c'est vrai. Ça, disons. Donc. Donc du coup, j'en profite, je refais la totalité de la plateforme sur laquelle étaient positionnés mes générateurs, comme ça. Je les monte ici. Tac, je les monte. Ça les monte là. Waouh! Mais en fait, quand vous faites les dessins d'un côté et de l'autre, le problème c'est qu'on peut pas les afficher après. Bah, tu veux qu'on affiche quel côté? Ouais, mais c'est quel côté celui-là? C'est celui de papa? Et l'autre côté, c'est? C'est deux côtés pareils. D'accord. Oui, non, mais c'est à peu près. Ouais. Il faut qu'on fasse ça.
Attends, parce que attends, traverser. Ok, mais un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Paf, six, c'est ça. Ouais, donc il faut que j'en saute un, on est d'accord. Neuf. Ouch. Une tape. Ah, tu vois, du coup, je suis à jour comme ça. Ouais, tu sais quoi, on va en passer qu'un seul. On va en passer qu'un seul. Pied. Salut, comment ça va? Tu es en forme, j'espère que tout va bien. Pour le meilleur des mondes. Non, bah c'est tout simplement que je produis plus assez d'énergie pour toutes les comment dire. Toutes les usines que j'ai en place, donc du coup ça a disjoncté, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit allez, ça fait un bon petit titre pour aujourd'hui. Puis voilà, tout simplement. Donc il faut que j'en ajoute, et du coup, vu que ma plateforme était faite de sorte à ce que j'en ajoute pas, bah, je refais toute la plateforme, comme ça au moins
et je travaille un peu plus proprement. J'ai l'étage ici qui va servir uniquement à transporter tout ce qui est charbon. Juste au-dessus, ça va être uniquement à la flotte. Et les générateurs sont au-dessus. Voilà. Comme ça, j'essaye de faire ça un peu plus propre. Puis voilà, hein, de toute façon, hein, on le sait, Satis, c'est faire et refaire. Hein. Ah ouais? Bah, elle est gentille. Hein. Donc voilà, tout simplement. Là, ça va se manger. Le générateur à charbon. J'en ai pas d'autres pour l'instant. Ou alors oui, ceux où il faut aller chercher les plantes que t'as au début là. Il faut que tu tailles je sais pas combien de kilos de plantes pour avoir un peu de. Voilà, c'est les deux seuls générateurs que j'ai pour l'instant. Ouais, je suis bloqué au palier 4 en fait. Eh merde, ça fait deux fois que je fais le même coup. Je suis bloqué au palier 4, il faut d'abord que j'avance l'ascenseur ascensionnel là. Avant de pouvoir faire d'autres paliers et débloquer la suite. Du coup, voilà. Non, tuyau MK2, non, même pas. Non, je suis pas encore aussi loin. J'ai les tuyaux classiques, quoi. 500 mètres cubes. Mètres cubeurs maxi. Comme ça, je traverse proprement ici de ce côté. Comme ça, je pourrais alimenter. Ranger de générateur parce que bah écoute moi je sais que j'ai vu qu'ils étaient censés faire une mise à jour aujourd'hui du coup j'ai passé mon jeu en expérimental mais franchement pour l'instant je les ai en tout cas moi mon niveau je les ai pas encore. Donc, il faudrait que je voie quelqu'un qui est plus loin que moi si s'ils y sont mais là, pour l'instant, moi en tout cas, je les ai pas encore. Je les ai pas encore, et pourtant, comme tu peux voir, j'ai le bandeau rouge pour dire que je joue en mode expérimental. Hein, donc voilà. Écoute, peut-être qu'elle sera faite dans la journée, la mise à jour, on va savoir. On va savoir justement, j'espérais, mais pour l'instant. Ou alors attends, je sauvegarde. Parce que je sais que j'ai. Je dois avoir une sauvegarde qui traîne de Gondra. Je sais que lui il est beaucoup plus loin que moi. Parce que des fois on joue sur sa partie. Sauvegarder, on va aller voir ça. Hein. Via X. Oui, fermé. Je vais prendre une de ses vieilles sauvegardes. Voilà, ça c'est sauvegarder. Charger une partie. La plus vieille, la plus récente, c'est laquelle? 8 octobre 22h48, ça c'est la base. Là on va voir. Écoute, on verra, on ira dans le menu et puis on vérifiera tout ça. Je suis curieux aussi de savoir un peu hein. Parce que même l'échelle qu'ils ont montré dans la vidéo, franchement, si elle est intégrée au jeu, je trouverais ça super top. Parce que l'escalier en colimaçon, tu m'excuseras, mais c'est chiant. Oui. Ah, c'est pas grave. Très bien. Donc on va voir. Hein. Qui t'entend rien, comme on dit. Bah, en plus pour lui j'étais en train de travailler avec les tuyaux. Ah ok. Donc communiquer, je vais voir le menu. Réalisation. En tout cas dans le menu classique déjà ils y sont pas.
génial ça, d'avoir ce machin. Et tant que je le débloque, moi c'est pas parti. Je sais que... Ah ça c'est pas ma partie du tout, hein, donc... C'est juste que je vais venir voir la boutique là. Au cas où qu'il est rajouté via la boutique. Station, on n'y a rien de plus, véhicule. Ouais, organisation. Ouais. Bah non, bah, tu vois, pour l'instant, la mise à jour n'a pas été faite encore. Ah, faut activer au hub. Ok, il va falloir que j'aille au hub alors. Je vais aller voir ça. Au hub. Là-bas. Là, hop. Oui. Écoute, je sais où c'est qu'il a posé son hub, on va aller voir. Avancer. Allez, on va essayer d'aller pour ça. Ça aussi, putain, qu'est-ce que je vais m'amuser moi quand je vais avoir le train. J'ai refait la descente de rail ici, tu vois, parce qu'elle était un peu houleuse. En la refaisant, j'ai fait bugger son train à grand arrêt, et je lui ai dit. Donc c'est pour ça que c'est une vieille sauvegarde. Il est censé le remettre en route et puis me donner une sauvegarde si je continue à travailler sur ces tuyaux. Voilà. Ah ouais, ce crétin de train, il s'est pas arrêté. Il a continué à tracer. Et bugué. Je dis ok, bon. En plus, je sais pas ce qu'il a mené, ni de où il est. Ni rien, bah du coup, voilà. On va peut-être s'arrêter. Ça va laisser un train. J'oublie qu'il faut du temps pour que ça fasse. Dommage que quand on joue à plusieurs, les trains soient buggés comme ça, parce que franchement, c'est top. Normalement, on s'en va le grid. Voilà, derrière. Oui, je sais pas si vous voulez ça. Voilà. Merde, il a enlevé. Il était là. Putain, où c'est qu'il l'a mis maintenant? Ah bah là. Bah, il a fait tous les paliers donc en fait il a fait tous les paliers.
Avec 8, t'as rien qui apparaît en fait. T'as pas le cadenas dessus non plus, putain. Non, là, franchement, ça me... Si, ça débloque le train, là. Ouais, j'ai l'impression que la mise à jour n'a pas encore été mise. Parce que tu débloques le pipeline ici. Déjà débloqué, donc au 3. Dans la logique, pour bien faire, ça serait dans le 6. Non. Non, je crois que pour l'instant, elle n'a pas encore été faite, la mise à jour. De toute façon, moi je suis sur Steam, quand j'ai regardé sur Steam, c'était pas encore marqué non plus. Donc, voilà. Bah écoute, hein. Au mieux, ça sera fait demain, dans la nuit, ça passera dans la nuit. Non plus, et je pense pas que dans les menus j'ai des choses à ajouter. Non, options, jouabilité, non, il n'y a rien. Audio, on s'en fout. Ça, on s'en fout, le contrôle. Des touches, on s'en fout. L'interface, on s'en fout aussi. Voilà. Allez, je vais ouvrir leur site, on va voir un peu ce qu'ils disent. C'est vrai que c'était prévu pour aujourd'hui, mais ils n'ont pas spécifié quelle heure non plus. Hein. Ouais, y a rien de marqué. Eh ben écoute, hein. Ouais. Je pense aussi, ouais. Et profite, ouais. Je pense aussi. Parce que là, ça a pas l'air d'y être. Après, sinon, je saurais pas où trouver, hein. Surtout que voilà, il a fait tous les paliers. Hein. On peut voir, on va parler peut-être le 8. Par contre, il est où son ascenseur? Ça perd. Il y en a encore un qui a dû taper l'autre. Faut pas changer. Il est où son ascenseur? Le radar. Il a pas fait l'ascenseur orbital? Alors il l'a enlevé. Oh, il te manquera toujours une ressource. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il te manque quelque chose. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de regarder la map. Là. Non, j'ai l'impression que... Elle est pas posée, cette tour.
Enlève-moi le menu là. Deux radars, oui. Ah, et toi, tu as fait quoi? Ah, rien, t'es sûr? Non, tu vois, il a pas fait. Ah, en plus, tu vois, et tu repères plus vite que moi. Tu repères plus vite que moi. Ouais, donc il a dû la poser pour faire ses trucs et puis il a dû l'enlever. Ah oui, j'étais parti chercher ce qu'il faut. Ouais, c'est sûr que ça va plus vite que de regarder les icônes, mais... C'est vrai que la carte, je viens de la débloquer moi sur ma map, pas moi. Y'a quoi là-dedans? Non, là, ça n'y en a pas. Là non plus. Voilà, c'est un peu pour ça qu'il m'a demandé aussi que je vienne l'aider là. Non, là, il n'y a que des tickets. Moi, je sais que là-bas, on en produit. Troisième caisson. Ouais, bon. Allez, on va essayer de le poser. On va regarder s'ils ont rajouté quelque chose dans l'ascenseur. Un palier ou quoi à faire. Plus d'essence. Ah, en plus, tu vois, voilà. Donc, déjà, ça n'a rien à voir. Et... Donc voilà, on sait que du coup, bah voilà. En early access, donc en accès expérimental, on peut rien faire du tout. Bah là, oui, là je suis sûr aussi, parce que là on a vérifié tout ce qu'on pouvait vérifier. Donc effectivement, je confirme que pour l'instant, elle n'y est pas. Elle n'y est pas encore. Allez, zoop, je vais l'enlever. Ça fond littéralement au soleil. Bon, allez. Ça sert à rien que je continue sur cette partie. Elle est plus bonne. Allez, on va recharger la mienne. Charger une partie. Voilà. Non, pas supprimer. Là-bas, revenir au menu principal, confirmer. Peut-être une connexion internet qui merde encore. Putain. Donc voilà. Alors, charger. Bon, on va relancer le game.
Ah, bah voilà, on parlait de la mise à jour. Voilà. Il suffisait d'être patient. Steam, il vient de m'envoyer un message comme quoi. Mais il y a une erreur de mise à jour. Je pouvais pas mettre à jour parce que le jeu était. Bon. En plus, là, le jeu il reste en exécution. Ok, c'est top. Plantage en live. Yes. Oui, bien qu'un jour ça m'arrive, un plantage. Voilà. Gestion des tâches. Attends, mon ordi considère que le jeu est fermé. Steam considère que le jeu est encore ouvert. Ok, c'est top ça. Donc je pense en fait ils doivent être en train de chercher à faire la mise à jour maintenant. Ouais. Ce que je viens de faire. Ça y est, alors. Allez, on va relancer le jeu. Ouais, Steam a quelque peu planté là sur ce coup-là. Ouais, bah écoute, hein, il fera la mise à jour cette nuit et puis on jouera demain avec. C'est pas un souci. Accepté, par contre, moi je veux bien quand même. Ah oui, d'abord, option que je remette sur ma télé. Vidéo, j'enlève, je baisse. Appliquer, confirmer. On déplace l'écran. Oups. Voilà, annulé. Et là, on peut charger. Dilo et Jos, GraviaX, charger. Ah, j'ai eu peur, c'est bon. Allez, c'est reparti. Donc là, du coup, après cette petite aparté pour vérifier que si la mise à jour a été faite. Bah, écoute, il est 13h04, la mise à jour n'a toujours pas été faite. Donc je pense qu'elle se fera certainement dans le cours de la journée. On va reprendre ma partie en cours, le temps de chargement, hein. On va reprendre la partie en cours et on va essayer de refaire au propre cette plateforme. Cette plateforme d'énergie. Bon, je vais l'appeler comme ça. Le générateur, voilà. Et ce soir, ce sera du RP sur GTA. Voilà, direct j'arrive, direct c'est dit. Et ça, on le savait. En même temps, j'ai enlevé plus de la moitié des générateurs. C'est normal que ça dégénère. Ok, donc comme ça, Tony rentrera ici et là, à ce côté. Très bien. Je pense que je peux faire un système de passerelle de ce côté aussi. Pour pouvoir monter et descendre. Ça peut être pas mal.
Ouais. Non, pas dans le bon sens. Oui. Oui, j'ai les réserves. J'ai les réserves. Oui, justement. Numéro 3 ici. Hop. Comme ça, moi, peu importe le côté où je suis, je pourrais monter et descendre sans souci. Et là, hop. Ben mes réserves d'eau sont là. J'en ai normalement un pour chaque groupe de 6. Hein, puisque je sais qu'un tuyau peut contenir jusqu'à 6 générateurs, pas plus. Sinon, on dépasse les 300 mètres cubes d'eau seconde. Et j'ai ceux-là déjà qui tournent, ces deux-là, ces deux séries-là de 6 qui tournent déjà, pour justement continuer à remplir mes trucs d'eau, voilà, ça a été le plus important. Et de ce côté, hop. Ah bah bien sûr. Bah bien sûr. Non, je parle pas de pompe, je parle bien d'un tuyau. Je parle bien d'un tuyau, oui. C'est ce que j'avais à peu près calculé. Après, je peux me tromper dans mes calculs, hein, mais normalement, un tuyau suffit à alimenter 6 centrales maximum. Pas plus. Au début, les premières fois, je me suis fait avoir comme ça. Je faisais une belle ligne de 12 centrales. Je foutais un seul tuyau. Et puis, je comprenais pas, mais un coup, il y en a un qui manquait de l'eau. Et puis, un coup, c'était l'autre. Jusqu'au moment où je me dis, mais attends, mais les tuyaux peuvent transporter combien? Moi, je pensais que c'était limité, moi. Mais non. C'est limité à 300. Je dis, ah, va falloir que je recalcule tout ça. Et là, le dessin, il était joli aussi. Hein. Ah, donc tu vois, et en plus, du coup, je le redescends un peu plus bas. Alors, décédé. C'est l'ancienne plateforme. Et là, t'as la nouvelle. Va faire joli comme ça avec les pieds dessous. C'est tout ce que j'avais sur moi? J'avais pas grand-chose, dis donc. Il est là. Non, c'est bien ce qui me semblait. C'est celui de tout à l'heure, ça. Ah non, d'hier, hier. On va creuser ça. On va reprendre ça en main. Non, ça, c'est pas là. Ça, c'est pas là. Ça va là. Voilà. Du coup, voilà. Mes réserves de charbon sont ici, qui sont alimentées par deux lieux de charbon différents. Voilà, et c'est pareil, un conteneur comme ça, je le prévois pour 6 générateurs. Comme ça, si jamais ça coupe ou quoi que ce soit, j'ai toujours au moins un peu de réserve. Voilà. Comme ça fait pas. Ça fait poser comme ça, tac, tac, tu vois. Le tuyau le moins bas possible pour pas que j'ai trop de pente en remontée. Bon, généralement, la pente est compensée par la descente que j'ai là. Donc, ça va. Ou pas besoin de surpresseur. Voilà. Et là, j'étais en train de m'occuper de ce côté-là.
je m'amuse à enlever toutes ces pièces là parce que c'est par contre j'aime pas quand ça tombe comme ça. Alors 4, hop. Ouais, ils sont pas bien positionnés encore. Je les ai décalés. Hein. Quand tu le fais d'un côté, ça marche super bien. Quand tu le fais dans ce sens-là, ça a du mal. Décalé comme ça passera pas. Marrant quand même. Ah mais c'est pour ça que plutôt que de les caler de ce côté ara comme j'ai fait avec ceux-là, avec ceux de derrière, je me suis dit si je les colle ara de l'autre côté, ça devrait être bon. Bah non, c'est pas bon. Je trouve vraiment la bonne position, quoi. Hop. On va le décaler d'un millimètre, hein, au lieu d'être collé. Voilà, normalement, on devrait être bon. Cool. Non, pas cool parce que lui, il est pas bon du tout là. Ah oui, mais, si lui aussi je le pose pas beaucoup. Oh là là. Allez, de toute façon, c'est un jeu de patience. On va y arriver. Ah, c'est la même que tout à l'heure. Ouais, il me semble que j'ai pas de barrière là-bas. Ok Gondra, il n'y a pas de soucis, c'est avec plaisir. De toute façon, on se captera tout à l'heure sur GTA, je pense. C'est quand même... Ah merde. Voilà l'intérêt d'avoir fait des passerelles de ce côté. Faut que je ferme ça là-haut, d'ailleurs. Là aussi. On va fermer. Putain, le premier de ce côté, j'ai posé comment, franchement. Ouais, c'est marrant. D'accord, ok. Salut, salut. Comment ça va? C'est la forme? En fait, c'est parce que celui-là, je l'avance un peu trop.
serait comme ça. Ça serait comme ça. Ah bah quoi de neuf? Bah je suis en train de repositionner mes centrales. Je l'ai refait. Comme ça je vais essayer de voir grandir la plateforme parce que j'avais pas assez d'énergie hier, ça disjonctait. Voilà. Centrale au charbon, hein, toujours. Voilà, ça, c'est bon. Les enfants, s'il vous plaît. Voilà, du coup, maintenant, ça devrait être bon. Central Park. Ouais, tu me diras, pourquoi pas. Voilà. Tu vois, je savais que... C'était une question de positionnement précis, c'est tout. Et je vois que mon tuyau, il est pas à sa place là non plus. J'ai mis... On va mettre un peu de lumière. Voilà. Ça c'est bon. Allez. Bon, on va finir. Voilà. Ça passera pas sur ça, c'est pas. Voilà. Les autres, ça devrait aller, mais pas le premier. Le tuyau était de biais. Ça n'aurait pas été. Ça va, ma chérie? Et je t'ai répondu ou pas? Oh le vilain papa, il a pas répondu. Oh, c'est pas gentil ça. Allez, hop. Je les ai pas mis dans le bon sens les deux premiers. Ouais. Ouais. Celui-là dans ce sens-là. Celui-là pareil ici. Et on arrive par là au milieu comme ça. Hop. Comme ça au moins ça fait je dispatch 3 d'un côté, 3 de l'autre.
déjà. Vous faites pas mal les enfants. Ah bah oui. J'avais dit qu'ils n'étaient pas dans le bon sens. Ok. Et on arrive avec celui-là de ce côté, hop là. Doucement les enfants, vous faites pas mal. Ça, c'est parti. Allez. Ah, mes passerelles, elles sont là-bas. Justement, ils sont les séparateurs sont en bas. Si, si, je les ai linkés normalement. Hop. On est bon. Si, si, je sais que quand on les met proches comme ça, il faut les link parce que ça passe pas sinon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, ça m'arrive d'oublier aussi. Hein. Ok. Voilà. Plus qu'à les raccorder. Vert. Allez, ça fait une série de 6 de refait, ça c'est. Alors, on efface. Pour se faire de la place. J'étais à 4000. Donc il faut que je fasse plus de 4000. Parce que sans ça, je peux pas tout faire tourner. Donc voilà, il va falloir que je produise plus de 4000. J'étais à peu près à 4700 ou quelque chose comme ça. Donc il va falloir que je fasse beaucoup plus là. Et doucement, doucement. Et avec vos chaussures sur le canapé, c'est normal? Merci. Quoi? Non, parce que la peinture, il faut que je reste avec vous pour vous surveiller. Là. Parce que sinon, vous allez me refaire les murs de la maison. Et c'est pas l'objectif. Ah, ça me fait des caisses, je dois être pas, ouais, c'est ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. C'est la bonne largeur, on va poser les dessous. Utiliser quoi? Oui. Ça peut te faire plaisir. Non, pas dessous, ça sert à rien.
Voilà, avoir vivement qu'il nous fasse cette mise à jour, qu'on puisse découvrir un peu ce qu'il y a de plus. Pourquoi j'en fais 3 là? Ah oui, non, oui, non, parce que. Parce que celle-là, c'est pas bon. Voilà, c'est mieux. J'aurais pas réussi à les poser dedans. Sol en vert. Je vais poser avant de chuter, ce serait dommage. Déjà que je suis mort une fois aujourd'hui déjà, donc ça suffit. Tout est une question de distance. Mais bon, allez. Ouais, je sais que 4000, 4000, ça fait pas beaucoup, hein. Petit joueur encore. Et là, on déborde. Normalement, c'est logique. Il me semble que c'était logique. Eh, franchement, quand je m'y mets, moi, des fois, avec mes conneries, ça, c'est parce que j'ai fermé celui-là. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que pour ceux qui suivent le stream, je prends vraiment mon temps, quoi. Ça aussi. C'est ça aussi. Je fais pas la course au palier. Je prends vraiment mon temps pour faire chaque cuisine séparément, tranquillement, histoire de ne rien oublier. Puis voilà. Je me suis rendu compte que j'avais plus assez de jus. C'est parce que j'ai commencé à faire mon lieu de stockage avec je crois 4, 5, 5 double box posées les uns sur les autres. Donc forcément, ça m'a mis en route toutes les machines. Enfin, pas toutes. Et encore pas toutes. Parce qu'il y en a que j'avais pas relié encore. Toute l'usine de fer n'était pas reliée encore au stockage. Du coup, ça m'a mis en route l'usine d'acier. Pour le peu que j'ai fait, non Lilou, j'ai dit pas de peinture aujourd'hui. Donc ça m'a mis en route l'usine d'acier pour les deux étages qui sont prêts. Parce qu'elle n'est pas finie l'usine d'acier. Ça m'a mis en route l'usine de béton. Ça nous a tous mis en route. Et
L'usine de cuivre, la totalité de l'usine de cuivre. Et ça a disjoncté. Là, j'ai dit ok. Bah écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci, hein. Pardon, mais c'est vrai que pas dormir, c'est pas top non plus. J'espère que c'est t'es pas resté réveillé par inquiétude, mais simplement par motivation ou autre chose. Quand on reste réveillé 2 jours comme ça par inquiétude, c'est pas la même chose. En tout cas, écoute, repose-toi avec plaisir. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas beaucoup, non. Ouf. Putain, moi je fais ça, je dors pendant 2 jours après, moi. Si je fais ça pendant 2 jours, je dors après. Ah ouais, franchement, ouais. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil jour, minimum, je dis bien minimum, je fais la sieste l'après-midi après, sinon. Tu sais, il y a des moments où le chat il est câlin ou câline. La chatte est câline. J'ai pas mon verre en bas là. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais ma chérie. Oh, super gentil. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Que c'est beau, l'amour. C'est dans ces moments-là où on sait pourquoi les enfants les regardent pas après. Quand ils font des câlins, des bisous, ça. Deux, je suis assez fait. Donc ici c'est la séparation du milieu, comme ça. Et là je pars dans ce sens-là. Mettre la radio, ils sont capables de la faire eux-mêmes. Bah et alors, tu connais une partie déjà, c'est pas mal. Voilà, hop. Ouais, c'est bon. Ils sont tous alimentés. On va redescendre chercher la flotte. Ah oui, c'est vrai qu'ici j'ai pas mis de verre. C'est fait. On va venir là.
Ah, on est pas mal en avance. On avance super bien même. Sauvegarde automatique, petit blocage dans quelques secondes. Voilà. La sauvegarde. Allez, je peux remonter d'un étage. Tombé. j'ai peut-être trop loin là, oui, je suis trop loin. Téléphone. Qu'est-ce que c'est? Ah, excusez-moi, je coupe 5 minutes. Voilà. Les cours de cuisine. Oui, je note les cours de cuisine avec les Tupperware. Ah, ça coûte combien le cours de cuisine? Bah, ça coûte rien du tout. Seulement, c'est les ventes qui sont générées par les Tupperware qui fait que je serai rémunéré ou pas, parce qu'il n'y a toujours aucune obligation d'achat. Ça ne change pas. Bon, bref. J'arrive pas jusqu'au dernier, mais ah oui, non, c'est vrai que normalement je fais un de plus. Ouais, c'est ça. Poser là, hop. Allez. Celui-là, voilà. Allez, maintenant on va essayer de pas tomber sur tout là, parce que j'ai pas mis de verre. Mais mets le verre en bas. Moi, t'es sûr. Ça a toujours moins mal de tomber là qu'en bas. Allez, on remonte d'un étage. Bon, ben, on remonte de deux étages. Et puis on va mettre la flotte. Là, tu vois, il n'y a pas le virage, donc logiquement ça passe direct. Oups, ça va plus vite quand tu copies en fait. Ah bah déjà. Oh putain donc. Tac. Il s'est mis en route. C'est bon. Lui aussi. Lui aussi.
Y a pas. Voilà, tu vois, donc là encore. Alors ça c'est deux séries. 2, 3, 4. Vers 4 séries, je serais arrivé au niveau où j'étais hier. J'ai un peu de place, donc je peux. C'est non, parce que j'aime pas quand ça fait des caissons, c'est chiant à aller chercher en hauteur là. Te fait des petites boîtes là. Je vais leur suggérer les boîtes quand ça crée des boîtes comme ça, qu'elles tombent toutes seules les boîtes par la gravité. Plateforme comme ça posée, hein. Nickel. Hop. Ça. C'est pas ce que je viens de poser, ça c'est comment. Bref, à la tombe de dernier là-bas. Est-ce qu'on peut poser des pièces comme sûr qu'il y a encore la place? Ça m'a créé un truc, ouais, parce que je suis pas. Allez.
Enlève-moi le. Hop. Bien sûr, il fallait que je le pose au-dessus aussi. Sur les deux derniers, hop, j'ai plus qu'à redescendre. Super. Observation. Ça te fait ça. Ouais, ça le fait. Voilà. Hop, hop, hop. T'as de la place? Non, t'as pas de place, alors arrête de passer. Alors arrête de passer.
Va falloir que j'apprenne à compter, moi. Et une chute, une arme. J'en vais essayer. Graine dessous, rien à faire. Ça, Google est mort. Et qui Google? Alors c'est qui ça Google? C'est rien, c'est juste notre imagination. Eh ben. Voilà. Ça, ça fait vraiment des piliers qui soutiennent et tout, c'est top. Quelle imagination les enfants, je vous jure. Voilà. Voilà comment ils s'occupent. On fait des cris. Bah oui, non, c'est super. C'est super. Cocole. Ok. Là, actuellement, il est l'heure qu'il était hier à la même. C'est pas une blague, c'est vrai en plus. Hier à la même heure, c'était la même heure, non? Hier, il était 4 heures. Non, pas encore, 3 heures. Perdu. Hein? Ouais, certes, une partie des causes. Hein. Moi, je trouve que ça fait joli, ça fait sympa. Hop. Ça c'est gentil de faire ça que pour moi. Et j'ai toujours pas répondu. Oh là là. Oh là, qu'est-ce qu'il est vilain ce papa, il répond pas.
Ah. Alors, papa, voilà le deuxième cadeau pour toi et maman. En fait, c'est une petite. Oh! Papa, enlève-le! Oui, en fait, c'est une petite. Oh, c'est l'imagination de qui parle là, la tienne ou celle de Joss? Alors, si pour Joss c'est un escargot, c'est un escargot. Dans la poche? Oui, tu peux. Ouais, c'est ça, j'en ai fait trois. J'ai cru que mon téléphone il sonnait, mais non. Mais non, il sonne pas. Oh là là, on va arrêter de rêver. Hein. Oui, Joss, tu peux avoir un chocolat froid. À boire, oui. Ah, t'en as pas eu ce matin, c'est vrai. C'est vrai que t'en as pas eu toi non plus ce matin. Voilà. Bah ouais, c'est un petit peu logique, non? Là, on va effacer en fait. Tac, 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 tac. Ouais, non, ça fait pas écouter. Ouais. On reste aligné par rapport à ça. C'est juste pour la stabilité du bâtiment. Oui. Tu m'as encore dégondé la porte. Non, tu m'as pas dégondé la porte, mais il y a un truc qui s'est enlevé. Ok. Bah remets-le. Ah. Pas grave. Ah oui, ça marche quand même, ça marche quand même sans. Ah oui, j'ai pas fait la descente. Oui.
Ça, c'est juste pour éviter que il y ait plein de choses qui coulent. Et là, j'éclate mon 5. Allez. Non, mais comme ça, voilà. On va arriver de n'importe quel côté et monter. Enfin, presque n'importe quel côté. Piller dessous, non, non, bah non, non, les piliers sont pauvres. Allez, on va chercher les caisses qui traînent là. Está. Chaque fois que du béton, sérieux?